Michoubidou, alors j'ai quelque chose d'important à dire. Ça va être une vidéo un peu space. Voyez, je me plais pas comme ça parce que j'aime pas cette couleur-là. Il faut vraiment que je fasse brune. Mais je voulais vous dire une chose. Je suis pas du tout maquillée. Je suis vraiment naturelle. J'ai mis juste un petit peu de rouge à lèvres. Voilà, je suis habillée comme ceci. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, je veux dire, on nous a formatés. On nous a formatés pour être jolie. On nous a formatés pour être mince. Le critère de beauté, c'est 85. Je dirais 38 et 90 de hanche ou 85 de hanche. Enfin, c'est vraiment un critère de beauté de mannequin, quoi. Mais je veux dire, mais qui a décidé pour nous? Mais qui doit dire tu es belle, tu es moche qui, parce que c'est la mode, parce qu'on nous dit de faire ça. Moi, j'adore la mode, j'adore le shopping, mais j'aime ce que j'aime, quoi. Je veux dire, je vais pas suivre la mode personnellement. ce que je vais expliquer, c'est que qu'on soit, je me dis. Qui a décidé, il faut être mince, il faut être jolie, il faut avoir un visage fin, il faut... Non, non, comme on est. Alors moi, je vous dis une chose. Accepte-toi tel que tu es. Regarde-toi dans le miroir. Danse devant le miroir. Accepte-toi. Mets-toi nue devant le miroir si tu peux, bien sûr. Et accepte ton corps. Et dis-toi, c'est ton corps. Qui a décidé que toi, tu devais être mince, être dans les critères de beauté. Non, tu t'en fous. Accepte-toi tel que tu es. Voilà, c'est le message que je voulais vous dire. Et moi, j'ai beaucoup de cellulite et je ne m'en cache pas. Et même quand je vais à la piscine, eh ben, je m'en fous parce que de toute façon, j'ai été opérée 2 fois des varices. Donc, mes jambes, je les cache un peu, mais avec un collant, ça ne se voit pas. Parce que ça tire et ça lisse. Mais il y a des combines. Mais pourquoi ne pas s'accepter tel que l'on est? Ben, parce qu'on a été formaté comme ça. Une femme, elle doit être mince, elle doit être jolie, elle doit pas montrer aucun de ses défauts. Un homme qui a une grosse brioche, on va rien lui dire. Mais nous, une femme qui a un gros ventre ou alors qui a de la cellulite ou des varices, on va lui dire quelque chose. Non, je suis pas d'accord. Voilà, c'était juste mon petit coup de gueule. Acceptons-nous tel que l'on est. Personne n'a à décider pour nous si on est belle, si on est moche, si on est jolie. Personne, personne, personne. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Et sur ce, si ma vidéo vous a plu et que vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, c'est pas pour ça que ça m'empêche d'être, de pas rigoler, de pas vivre, de pas m'amuser. J'ai de la cellulite partout, même sur les bras. Bon, ça se voit pas trop, des fois ça se voit, ça dépend. Mais le mieux, c'est de pas y faire attention. C'est vous, c'est votre personnalité. Vous êtes née comme vous êtes. Moi, je suis née Sibylle. Je resterai Sibylle avec mes qualités et mes défauts, tout simplement. Voilà, ça c'est un message que je voulais dire. Je vous aime. I love you, je l'ai dit, je te quiero, te amo. Voilà. Sibylle qui fait son sport au Sainte-Marie-de-la-Mer, comme tous les matins. Regardez-moi. Action.